Mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, bonsoir. C'est un réel plaisir pour nous de communier avec vous à travers votre émission. Et nous ne cessons de prier que votre lumière luise. Et comme la parole de Dieu le dit dans Proverbe 4, verset 18 que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Notre prière c'est que le sentier de vos familles soit resplendissante. Que la lumière de Dieu continue d'éclairer vos différents ménages. Et que la grâce de Dieu puisse se manifester pour chaque membre de vos familles respectives. Nous prions vraiment que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Une fois de plus, nous nous soucions du bien-être de vos familles. Et nous voulons vous exprimer de tout cœur notre amour, notre affection pour chacun d'entre vous. Ce soir, nous... Nous parlerons de la puissance de l'accord dans un couple. Nous sommes en train de dire qu'il y a de la puissance quand dans le couple, l'homme et la femme s'entendent parfaitement. D'entrée de jeu, nous devons comprendre qu'il y a un principe général. De, sur la force, la puissance et l'autorité qu'il y a dans une unité parfaite et dans un accord. Et de façon générale, quand les gens sont unis, quand, Quand leur unité est parfaite. Souvent que ce soit pour le bien ou même que pour le mal. Ils sont capables de, de certaines choses. Et c'est pourquoi d'ailleurs. Si nous regardons dans le livre de la Genèse. Dans Genèse 11. Nous voyons par exemple que les fils des hommes avait décidé de bâtir la tour de Babel. Et ce projet ne plaisait pas au cœur de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit Dans Genèse 11, verset 4, ils disent, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et ils ajoutent, et, Et faisons-nous le... un nom. Ce qui veut dire qu'il y a un nom que ces fils des hommes étaient en train de rechercher. Et ils, dit, afin, ils disent, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Voici un projet qui n'était pas du cœur de Dieu. Mais ils étaient, les fils des hommes étaient unis. Et ils ont constitué une force pour accomplir ce projet. Pour réaliser ce projet. Et ça semblait être une réalité. Et nous voyons plus tard que dans Genèse 11, verset 6, l'éternel Dieu dit, voici, ils forment un seul peuple et ont une même langue et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Donc, Dieu même est en train de dire que parce qu'ils forment un seul peuple, parce qu'ils ont un même langage, parce qu'ils ont entrepris ce projet dans cette unité. Dieu lui-même dit que rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Et c'est là où Dieu a décidé de les arrêter. Donc c'est pour dire que même dans ce mal là leur unité était capable de faire quelque chose Si Dieu dans sa toute-puissance ne les avait pas arrêtés ils étaient capables de réaliser ce qu'ils avaient projeté Et nous sommes en train de dire que si pour le mal le principe d'unité conduit à une force. Ce qui veut dire que dans le bien, ça sera encore plus une autorité, une force et même une puissance. C'est pourquoi nous disons Il y a de la puissance dans de D'accord Quiconque pour des gens qui se mettent ensemble. Il y a de la puissance. Dans l'unité. Il y a de la force dans l'unité. Il y a même de l'autorité dans l'unité. C'est pourquoi Jésus va dire, plus tard dans Matthieu 18, à partir du verset 19, il dit Je vous dis, le dis encore, si deux d'entre vous, sur cette terre, vous mettez d'accord pour demander une quelconque chose, une quelconque chose, je cela je leur saisir. sera accordé, je cela saisir. vous sera accordé je par saisir. son Père qui est dans les cieux. Donc ces si deux d'entre vous, vous mettez en accord, ces si deux d'entre vous, je vous saisir. êtes dans l'unité, l'unité dans l'amour. Quand, Quand vous vous un unissez et vous accordez, demandez selon ce que Jésus dit, vous demandez une quelconque chose. Il dit que cela vous sera accordé par son père qui est dans les cieux. Cette parole est sortie de la bouche de Jésus. Cette parole n'est pas sortie de la bouche de n'importe qui. Et il assure que son père dans les cieux vous accordera ce que vous demanderez. Et il précise dans Matthieu 18, verset 20, que là où deux ou trois sont Assemblé en son nom, il, il est au milieu d'eux. C'est Jésus qui le dit. Je Jésus suis au milieu, milieu de, de vous. vous. Donc, dans l'accord, dans l'unité, Jésus est au milieu de nous Jésus en tant qu'enfant de, qu enfin de, qu enfin de Dieu. Nous, quand deux ou trois d'entre nous, nous nous assemblons, Jésus nous dit qu'il est au milieu de, de nous. Et donc, voyez, quand dans un couple, un homme et une femme, se mettent ensemble, ils sont dans le mariage, ils sont en accord, ils sont dans une unité, ils s'entendent bien, ils marchent dans une unité parfaite, dans l'amour, dans la compréhension. Je peux assurer qu'ils sont capables des plus grandes choses. La plus grande force, la plus grande puissance commence dans ce noyau familial où l'homme et la femme peuvent se tenir la main, peuvent dire que nous sommes d'accord, peuvent dire que nous sommes dans une unité. Il n'y a rien qui empêche en ce moment que ce couple-là ait la victoire. Ils sont en ce moment. L'homme et la femme, capables de lier et de délier, lier les situations qui peuvent leur causer du temps et délier les bénédictions dans leur vie familiale. Quand ils s'entendent, il n'y a rien qui puisse leur échapper. Dieu a donné une autorité, une puissance dans l'unité. Et c'est pourquoi. Dans le couple, l'homme et la femme ils doivent faire attention. Quand ils sont dans un désaccord, leur désaccord va leur créer des problèmes. Il n'y a même pas de doute en cela. Donc, en ce moment-là, pour posséder les bénédictions qui sont les leurs. Parce que n'oublions pas que le foyer, la famille, c'est le lieu stratégique où Dieu aime déverser sa bénédiction. C'est le lieu qui accueille le plus la bénédiction divine. Et pour posséder toutes ces bénédictions-là, Dieu a besoin de l'unité du couple. Dieu a besoin de l'accord dans le couple. Dieu a besoin de voir l'homme et la femme dans l'amour. Oui, il, il a, a besoin toi. de voir l'homme et la femme marchant d'un même pas. D'une même, même voix. D'un même, même langage. Quand donc ces deux, l'homme et la femme, quand ils s'entendent, la parole de Dieu dit, dans Deutéronome 32, verset 30, il dit que Un chasse mille, et deux chasseront dix mille. Regardez la puissance que constitue l'unité dans le couple. Un chassera mille. Si un chassait mille avant, dès lors que les deux se sont mis ensemble en couple, la parole de Dieu dit ils sont capables, les deux là, dans leur unité de chasse. Ça, 10 000. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et d'ailleurs, Ecclésiastes 4, verset 9 nous dit deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Nous sommes pleinement dans la parole de Dieu. Donc, si deux valent mieux qu'un, nous devons comprendre qu'à deux, il y a une puissance qui va se dégager de l'accord. Et l'ennemi le sait. Amire. Il sait que... Le, le diable sait que quand un homme et une femme s'entendent, s'accordent, marchent d'un même pas, il n'y a rien qu'ils puissent leur faire. Ils peuvent s'entendre pour fermer la porte à l'ennemi, mais quand aussi ils ouvrent la porte à l'ennemi, l'ennemi s'attaque à eux et ils ne tournent pas et, et sans le faire. Parce que si le couple est un symbole de puissance, d'autorité. Et à partir de leur euh, euh, unité, de, de leur, leur accord, leur accord leur ils peuvent, sont, sont capables de grandes choses. Ne nous leurrons pas. L'ennemi le sait. Le diable le sait. Il sait que si vous êtes dans cette unité-là, il ne pourra rien vous faire. Au contraire, vous allez arrêter ses œuvres. Vous allez arrêter ses actions. Donc, si le couple est le lieu où la puissance de Dieu peut se manifester, sachons-le aussi, c'est le lieu où l'ennemi va s'attaquer le plus. Il s'attaque au couple, l'homme et la femme. ni para Pour briser leur unité, pour arrêter leur entente. Il vient d'une façon ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre, pour arrêter cette unité qui est une source de puissance. Quand le diable voit qu'un homme et sa femme s'entendent parfaitement, il va tout faire pour s'attaquer à eux. Parce qu'il va tout faire pour amener la confusion, pour amener la division. Pour Amener la mésentente. Quand cela se produit, la confusion dit, commence à s'installer dans le, le couple. Qu'on qu le veuille ou non, dès qu'il y a division, ça, ça veut dire que la vision qui devait être commune pour la famille le devient différente, elle est, est divisée en deux, et avec des sens et, et qui ne se complètent pas. Si en ce moment-là, la division amène la confusion. Et là, il la, faut être suffisamment sage et intelligent la car, la yam, la pour discerner les voies par lesquelles l'ennemi vient. Et souvent, il prend l'avantage de nos la querelles. Querelle. Souvent, il prend l'avantage des disputes dans la famille. L'esprit de dispute est aux portes des familles. L'esprit de querelle est aux portes des familles. Et il cherche à, à pénétrer dans les familles. Il regarde au caractère de l'un et de l'autre. Il, il voit là où il peut s'infiltrer. Là où l'avantage lui sera donné. Parce que, que n'oublions pas que l'ennemi agit aussi par les hommes. Un mauvais esprit ne peut agir que s'il passe par une personne par en tout cas un vase si, oui, tout, passer, 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 Satan travaille en envoyant ces démons qui vont agir mais cela passe par des hommes et des femmes mais là Maintenant, chacun doit voir jusqu'à quel point je fais une ouverture à l'ennemi ou non. Chacun doit veiller sur son comportement. Chacun doit veiller sur ses attitudes. Et même certaines habitudes qui s'installent dans la famille qui sont de nature à faire place à l'ennemi. Donc, quand l'ennemi arrive à s'infiltrer, l'attitude de l'un ou de l'autre. Ce qui est sûr, il ne fera pas cadeau à cette, de cadeau à cette, ce ménage. Parce que Jean 10, 10, il décrit le cahier de charge du diable. Le, le cahier de charge de l'ennemi. Il vient pour tuer, égorger et voler. Et ne vole pas eh, ce qui n'a pas d'importance. S'il vole la paix dans une famille, s'il vole l'entente dans une famille, il amène en même temps la confusion. Et dès que la confusion est là, les projets les plus critiques de la famille peuvent être mis en cause. Simplement parce qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'unité. Et l'homme et la femme ne marchent pas dans l'amour. Regardez un peu ce qui se passe dans les familles. Souvent, des accusations dans le couple. Chacun accuse l'autre. Chacun se plaint de l'autre. Les murmures de part et d'autre. Les pensées négatives l'un de, des uns vis-à-vis -vis des autres. Et après, chacun s'assoit et se demande mais pourquoi ça doit se passer ainsi. Il y en a même. Après des bagarres, ils s'asseyent et il se demandent pourquoi on est arrivé jusqu'à la bagarre. Après des querelles. Zabra Souvent pauvre. certains s'asseillent Ils commencent à regretter Comment ça man se man dit mais Pourquoi ça devait se passer ainsi Pour des moins que rien, rien. C'est des, des, des historiettes C'est des bagarres C'est des, des disputes Mais après chacun regrette Chacun se demande, se demande mais pourquoi Comprenez que Il y a un ennemi BMW Qui pousse BMW dans l'un ou l'autre sens Je n'occupe pas que certains caractères qui se révèlent après le mariage sont aussi des portes d'entrée. C'est pourquoi nous ne cessons de dire que chacun doit veiller sur soi. Chacun, chacun doit veiller sur son cœur. Salomon l'a dit. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose dans Proverbe 4, 23. Et donc si l'ennemi prend l'avantage de nos attitudes, il va amener des bagages. Il va amener des situations que vous ne contrôlez même pas. Il va amener des disputes. Et c'est pourquoi il faut être pleinement soumis à la parole de Dieu. Quand nous sommes soumis à la parole de Dieu, nous activons la grâce de Dieu dans notre famille. Se soumettre à la parole de Dieu, c'est faire exactement ce que Dieu dit de faire pour éviter justement que l'ennemi ne prenne avantage. Par exemple, dans Ephésiens 4, 26, la parole de Dieu dit que si... Vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche point sur votre colère. Voici une parole qui est venue de, de Dieu. Mais, Mais combien de fois des couples, couples se mettent en colère l'un contre l'autre Et chacun va dormir avec la colère. Et chacun fait fi de la parole de Dieu. Et, Et au, au moment le... où le couple fait fi de la parole de Dieu et va se coucher, coucher laisser le soleil se coucher sur la colère, Du coup, la porte est ouverte pour que l'ennemi puisse entrer. Et dans ces conditions, quand nous ne sommes pas soumis à la parole, tout se passe comme si nous donnons la clé de notre ménage. À Satan. Là, il rentre sans effort. Il apporte à la main. division. Il installe la confusion. Et il vole les bénédictions de la maison. En ce moment, il n'y a plus d'accord. Même si le couple se met à prier. Si certaines situations ne sont pas réglées. Réglées, je dis bien réglées Parce ouvertement. Parce que souvent certains couples se taisent sur des situations qui les minent. Personne ne veut Évoquer certaines situations alors que chacun sait que c'est un problème. Et chacun reste dans un manque d'humilité et dans une sorte de petit orgueil. Et en ce moment, personne ne veut être le premier à poser ouvertement la situation. Et souvent, hypocritement, les gens prient. On ne peut pas se cacher à Dieu. 1 Samuel 2,3 dit L'éternel est le Dieu qui sait tout. Et il sait en ce moment qu'il y a une situation qui mine le foyer et que vous n'êtes pas en train de régler. Et en ce moment, c'est. Si je dirais hypocritement, les couples vont dans la prière, mais il faut qu'ils soient sûrs que leur prière n'est pas, pas exaucée. Là, ça, c'est aussi la parole de Dieu. Votre unité doit être conservée. Votre unité doit être préservée aussi. L'unité brisée

Amos 3.3 dit deux hommes autrement dit deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans en être convenus et ça ça commence même avant même le mariage et c'est pourquoi avant de dire oui pour le mariage il y a un certain nombre de préalables à remplir pour dire que le couple s'est convenu pour dire que le couple est d'accord pour cheminer tout le reste de leur vie ensemble. Le couple doit s'asseoir examiner certains points critiques. C'est le moment avant de dire oui pour le mariage d'aborder certaines questions et sans se voiler la face faire en sorte que chaque Point soit élucidé. Et quand un accord sera arrêté, on peut dire comme dans Amos 3,3, ces deux personnes marchent ensemble parce qu'ils se sont ils sont convenus de le faire correctement. Nous n'imaginons même pas que deux personnes s'asseignent tout en sachant qu'ils ils ont de la haine l'une pour l'autre ou sachant que et, certains aspects et, se révèlent déjà comme des aspects qui seront difficiles à gérer et se mettre ensemble à l'aveuglette. Donc, en ce moment-là, il faut régler certaines choses pour s'assurer que votre unité, votre entente, va durer le maximum possible. Parce que si cela est raté, il y a des situations qui vont. En fait, la bénédiction va manquer dans la. Dans le fond. Deux meilleurs amis. Un homme, un jeune garçon et une jeune fille. Quand on les voyait, c'était comme des tourtereaux. Et ils s'entendaient parfaitement. Et quand il s'agissait d'aller pour le mariage, ils étaient persuadés qu'ils étaient en accord parfait sur tous les points. Et chacun pouvait parier sur la qualité de la vie qu'ils vont mener après le mariage. Ils ont fait un très beau mariage, acclamé par tous. Sept mois seulement sept mois plus tard, c'était des pires ennemis pires ennemis et ceux qui étaient au mariage s'asseyent de... et ils disent mais comment ça ça peut se passer est ce que vraiment ah, non, ils qu se, se sont mal. assis pour convenir parce qu'on ne peut pas comprendre cela deux autres personnes dans une entente parfaite quand on les voyait, c'était vraiment le, le couple idéal. L'homme prend soin de la femme. Et il cajole la femme. La femme est toujours souriante. Mais, Mais voici qu'après le mariage, on constate qu'ils se battent tout le temps. Et c'est des coups et blessures. Comment comprendre cela? Quand dans un foyer il y a des coups et blessures, rappelons-nous toujours que la violence conjugale est un, une des pires ennemies d'un foyer

Aujourd'hui, ils ne sont pas dans une unité. Ils ne sont pas dans un accord. Et du coup, leur prière ne peut pas être exaucée. Et rappelons-nous, sachons toujours que le diable est toujours jaloux de l'unité dans un couple. Il cherchera toujours à attiser le feu. Pour amener la désunion. Il est votre accord, il est votre unité. Il faut que cela soit clair dans notre esprit. Il y a une autorité qui découle de notre accord il y a de la puissance qui découle de, de, de l'unité dans le couple. L'autorité de lier et de délier, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 18, verset 18. Et regardons cet autre verset. Jésus dit... Dans Matthieu 18, 20, Mathieu, puis puis il dit car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu à... d'eux. Deux ou trois. Ça veut dire déjà, okay, même si nous prenons le simple couple, bah, ton de, ton ils sont de, déjà deux. Les... Il dit, quand il ils sont de, assemblés, à... ça veut dire que c'est déjà un quorum un qui est atteint pour que la présence de Jésus soit une réalité. Donc une, une déjà une cellule qui commence là. Donc cette assemblée là, elle est là comme on peut la considérer comme une église. Donc la première église c'est la famille. Parce qu'il y a deux au minimum deux. Sinon trois ou même un peu plus. Donc, c'est comme si on a déjà mis en place une assemblée. Parce que ce sont des enfants de Dieu. Ils ont créé un lieu, une place pour appeler la présence de Dieu. Deux enfants de Dieu, quand nous les considérons comme des enfants de Dieu, nés de nouveau, oui. qui oui. s'unissent dans le mariage, oui. qui demeurent ensemble sous le même toit, oui. la parole de Dieu dit, oui. et ça c'est Jésus qui parle, il dit qu'il est au milieu d'eux. Donc pensons déjà. À ce fait, s'il est au milieu de, dans cette famille, qui est considérée comme déjà même eh, le premier, la première étape d'une église, donc disons-nous, qu'est-ce que nous le faisons voir dans nos familles que que nous, nous, En fait, il est là, mais il observe attendre. quoi dans la famille Il demeure avec vous Pardon. Que voit-il chaque jour Que voit-il dans votre famille Jour après jour, il assiste à quoi Vous le, le faites assister à quoi Est-ce que d'ailleurs on est conscient qu'il est en nous et qu'il est au milieu de nous Si nous sommes conscients de cela, regardons un peu les scènes qui se passent dans certaines maisons. Les scènes donc auxquelles... Et Christ assiste. Est-ce que ce sont des scènes qui expriment l'amour Est-ce que ce sont des scènes qui expriment la paix Ou des scènes de mésentente, de bagarre, de querelle Sommes-nous véritablement conscients de la présence de Christ en nous et avec nous Et c'est là où nous voyons souvent deux attitudes, souvent. Tout à fait contraire dans certaines, certains ménages. Certains adorent Dieu comme il faut à l'église. Et une fois à la maison, les querelles commencent. Les bagarres commencent. Les mauvaises attitudes se développent. L'un insulte l'autre. Et l'autre exprime la haine. Deux attitudes tout à fait contraires, différentes. À l'église, c'est la religiosité. Et à la maison, on est... en ce moment, on peut dire que ce sont des enfants du diable. Récemment, une jeune adolescente a eu le elle disait qu'elle ne comprend plus rien. Elle dit que ses deux parents, quand ils sont à l'église, vraiment, ce sont des anges. Mais quand ils retournent à la maison, les, eux, les enfants, ils assistent à toutes sortes de bagarres. Les insultes. L'adolescente croir... dit qu'elle ne croit même pas en ce moment que ce sont des, convert... des gens qui se sont donnés à Christ. que à Christ. Et dans l'irritation, la femme insulte. Et dans l'irritation, l'homme peut donner même des claques. Et donc, cette adolescente disait que la maman s'irrite, le papa frappe et la maman se retourne contre les, la, les servantes. Et la servante ne sachant plus quoi faire, elle, elle court dans tous les sens. Et l'adolescente dit qu'elle assiste à ces scènes-là. Et donc ça, cela fait qu'elle se demande vraiment quelle est la réalité de Dieu. Et au moment où vous nous suivez, est-ce que votre couple ne connaît pas ces sortes de difficultés. Est-ce que votre couple ne se caractérise pas par des dichotomies de ce genre Et donc ici... Cela veut dire qu'on n'est même pas simplement dans un désaccord. On a dépassé de loin le stade absen, du désaccord. Parce que la violence s'installe. Et cela ne plaît pas du tout au cœur de Dieu. Homme. Rappel. Au moment où tu insultes ta femme faut de des Avec des, souvent des paroles de malédiction de Et souvent même tu menaces de la frapper d'ici le soir Il y a un homme qui disait Si tu ne fais pas attention De la façon dont la journée a commencé là D'ici le soir Je vais te frapper

Si vraiment Dieu est au milieu de vous, parce oui. que c'est la première assemblée, et oui. il est au milieu de vous, oui. que voulez-vous qu'il fasse est-ce qu'on est conscient qu'au moment où, où nous ouvrons la bouche pour dire des paroles acerbes les uns contre, un contre les autre. autres, sommes-nous conscients autres? que nous le faisons devant la, dans la présence de Dieu Dieu, Dieu ne peut que s'attrister. Il, Il assiste régulièrement aux bagarres dans les familles. Son, son cœur s'attriste. Les querelles, les mésententes. Et devant souvent les enfants et des enfants souvent qui ne savent plus quoi faire combien de d'enfants de la rue ont expliqué leur situation par les mésententes dans leur famille qui les ont poussés à quitter et à se réfugier dans la rue et les enfants de la rue qui disent qu'ils préfèrent

Est-ce que tu te rends compte que c'est devant Dieu que tu le fais Est-ce que tu te rends compte que tu es en train de, de heurter le cœur de Dieu Et la parole de Dieu est claire. Dans Proverbe 21, verset 9, il est dit ⁇ Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit ⁇ que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Et plus loin, dans le Proverbe 21, verset 19, il est dit, mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse. Curuleuse et irritable. Habiter dans une terre déserte ou, ou habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme curuleuse. Une femme curuleuse et irritable. Au moment où tu développes l'irritation et les querelles. Tu le fais dans la présence de Dieu. Et peut-être tu ne te rends pas compte. Tu, tu attristes le, le cœur de Dieu. Et en ce moment, on ne peut même pas parler d'accord. En, en ce moment-là, les bénédictions échappent à cette famille. Parce que Dieu sait tout. 1 Samuel 2, 3 le dit L'éternel est un Dieu qui sait tout. Et comme il sait tout, il connaît aussi nos pensées. Il sait ce qui se passe dans les pensées de l'un et de l'autre. Donc là aussi, quand l'homme et la femme ne sont pas ouverts l'un vis-à-vis de l'autre, ils cachent des choses dans le cœur. Il ne peut pas avoir l'autorité devant les situations. Parce que certaines situations ne sont pas dites, mais ce sont des réalités dans les cœurs. L'accord parfait provoque l'exaucement des prières du couple et compte ce leur point du tout sans entente. Sans unité, sans l'accord, l'accord dans l'amour, spirituellement, nous si sommes divisés. Être. Et il n'y a pas de puissance dans le couple ni dans nos prières. Et c'est pourquoi souvent nous voyons que dans certains aspects de la vie familiale, Souvent, l'homme et la femme ne sont pas en accord. Par exemple, si nous prenons l'éducation des enfants, souvent, il arrive que l'homme et la femme voient les choses différemment. Les projets de la famille, souvent, chacun voit les choses à sa façon. Les dépenses liées à la vie de la famille, chacun voit différemment. Et quand il n'y a pas de... de euh, Vision commune, la vie de, de la, de la, vie de la famille. famille, facilement le désaccord s'installe. Il y a division. Et chacun va dire, chez moi, ça se passe comme ça. Mes parents m'ont toujours dit que c'est comme ça. Et il y en a qui disent, tu ne peux pas me changer. On ne peut pas s'accorder, un point c'est tout. Et y a... Une femme qui disait, je ferai comme je veux. Parce que dans mon éducation, mes parents ont dit que ça se passe ainsi. Un homme aussi a dit un jour à sa femme, chez nous, dans notre tribu, la femme n'a aucun droit de regard sur telle, telle, telle question.

Un jour, un enfant de 7 ans avait volé de l'argent. Et c'était dans une famille vraiment où on ne pouvait pas penser voir une situation pareille. Tout, Tout de suite, pour. le père a pris la chicote. Il a commencé à frapper l'enfant pour, selon lui, bien le corriger. Voici la mère qui débouche. Elle dit, mais allez, laisse cet enfant-là. Ça, c'est quoi Dans tous les cas, chacun doit avoir un défaut. Mais, il ne faut pas faire du mal à mon enfant. Hein? Et elle a arrêté la correction que le mari voulait donner, infliger à l'enfant. Tout de suite, c'était une mésentente un désaccord sur le principe même de correction de l'enfant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé L'enfant a continué à voler avec un soutien un peu tacite de la mère. Et c'est pourquoi dans certaines familles, quand il s'agit d'éducation, quand il s'agit de situation par rapport aux enfants, il arrive que le père et la mère s'asseyent pour voir quel type de correction donner à l'enfant. Mais dans d'autres milieux, le, le père peut frapper l'enfant sans le blesser, bien entendu. Une correction à la mesure de la faute. Et après, il explique à la mère qui est aussi d'accord avec lui. Ou encore, euh, chacun voit qu'est-ce qu'il faut. En tout cas, il s'accorde. Mais quand il y a division, une vision partagée, une partagée, les choses ne vont pas dans le même sens. Là, il n'y a pas d'accord et le couple est affaibli. Pour qu'il y ait une... Vision commune. Il faut d'abord même une compréhension commune et dans le même sens par l'homme et la femme. Et c'est pourquoi il faut une bonne communication. Une communication basée sur l'écoute mutuelle. Une communication basée sur le respect mutuel. Une communication basée sur la soumission et l'un à l'autre et l'humilité. Ce n'est que dans ces conditions que et chacun respectera le point de vue de l'autre et finalement le couple cherchera à, à voir les choses de la même façon. Et c'est pourquoi... L'homme et la femme doivent faire attention. L'homme et la femme doivent, ils doivent aller dans la parole de Dieu. Les meilleurs repères se trouvent dans la parole de Dieu. Dieu a placé un homme divin sur la famille. Au moment où il a dit dans le livre d'Éphésiens Ephésiens 5, 22, il a dit à la femme d'être soumise, il a demandé aussi, il a dit aussi à l'homme d'aimer sa femme. Ouais. Et les enfants doivent être obéissants aux parents. Et l'apôtre Pierre aussi va dire plus tard, dans 1 Pierre 3 à partir du verset 1, l'apôtre Pierre s'est évertué à donner une exhortation pratique à la femme. Comme à l'homme. Et c'est pourquoi nous, 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 nous allons voir ce passage. Et dans la version du semeur, où il est écrit ceci Et Pierre le dit Vous de même, femme, femme, soyez soumises, chacune à son mari. Cette version est claire Femme. Soyez soumises. Chacune à son mari. Je crois que ça c'est clair. Pour que si certains d'entre eux ne croient pas la parole, à la parole, ils soient gagnés à la foi sans parole par votre conduite. Cette version dit, soyez soumises chacune à son mari, à elle. Et s'il se trouve... Que votre mari n'est pas encore dans la foi ou encore n'est pas affermi, votre bonne conduite va faire en sorte qu'il soit gagné sans, sans parole, mais par votre bonne conduite. En observant votre attitude respectueuse et pure, ils vont être gagnés dans, dans la foi, ils vont il être affermis rien qu'en vous regardant

Proverbe 14, 1 dit la, la femme sage bâtit sa maison et celle tazaka, qui est insensée la renverse de ses propres mains. Et l'apôtre Pierre continue en et disant Recherchez non pas la beauté que donne une parure extérieure. J'aime bien cette version-là Recherchez non pas la beauté pas que donne une parure extérieure. Et il précise. Les, les cheveux, cheveux habilement tressés, les bijoux en or, les toilettes élégantes, mais cette beauté qui émane de l'être intérieur, qui est la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible, un esprit doux et paisible à laquelle Dieu attache un grand prix. Femme, je crois que nous sommes toutes défiés par ce passage. Dieu cherche en nous. Une beauté intérieure, une, une parure intérieure. intérieure, une beauté impérissable, caractérisée par un esprit doux et paisible. Et la parole de Dieu dit c'est à ça que Dieu attache un grand prix pas à la beauté extérieure, pas, pas à, à ce que nous présentons extérieurement, alors qu'intérieurement, si nous sommes peut-être une autre personne. Et nous devons nous laisser interpeller ce soir, la soir par ce passage qui est très très bien dit dans cette version. Et Pierre continue en disant, car c'est ainsi que se paraît autrefois les saintes femmes qui plaçaient leur espérance en Dieu, et elles étaient soumises à leur mari. Au verset 6 Versailles. du même passage dans la version du semeur, il est dit, tel était par exemple le cas de Sarah, Sarah dans son obéissance à Abraham, elle l'appelait monseigneur. Donc, Sarah, une fois, elle était tellement soumise, la tellement la obéissante, la de la avec une parure intérieure. Alimenté elle allait jusqu'à appeler la. son mari si Abraham, Abraham. Elle l'appelait son Seigneur. Abraham. Et Paul nous interpelle, femme, en, en disant, c'est d'elle que vous êtes les filles. Nous Sarah sommes les filles de, de Sarah. Et donc, si vous faites le bien, sans vous laisser... Troubler sans dame. aucune crainte. Si vous panale. faites le bien, sans vous laisser troubler, sans aucune kyan. crainte. Si donc nous faisons le bien, si nous avons de bonnes attitudes, de, de, bons de bons comportements, de bonnes pensées aussi, la parole de Dieu dit que nous n'allons pas nous laisser troubler par une crainte. Et au verset 7, il est dit, vous de même, mari, yamé, c'est demain. vivez chacun avec votre femme. n'importe qui nepara. chacun doit vivre avec sa femme. n'importe qui fasse nepara. en faisant preuve de discernement. halimba n'ouvre car les femmes ont une nature plus délicate. par les paroles, il y a tout. Traitez-les avec respect. Elles ont une nature délicate. Vivez avec elles en faisant preuve de discernement. Et une autre version dit en faisant preuve de discernement et de connaissance. Traitez-les avec respect. Chaque, Chaque homme doit vivre avec sa femme, mais la traiter avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Et Pierre précise, en terminant, il dit, agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle. À vos prières. Voici une exhortation extrêmement pratique. D'abord, chaque femme doit être soumise à son mari. Et il précise chacune doit être soumise à son mari. Comme la parole de Dieu aussi nous le recommande, Ephésiens 5, verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et la parole de Dieu précise que si une femme respecte cet ordre divin, elle va attirer son mari à la fois ou affermir son mari par son attitude. Et donc, aussi, nous devons. Ce point est important. Nous devons faire attention pour oui. ne pas mettre trop d'accent sur la beauté extérieure alors que l'intérieur n'est pas n'est pas travaillé. Et c'est pourquoi, femme, pas, pas, pas au moment où tu vous m'écoutez, nous devons nous évaluer. Nous Devons nous, nous, nous poser la question. So Mettons-nous plus d'accent sur la beauté, la parure extérieure ou cette beauté intérieure. Il y a et une chose aussi que nous devons retenir fortement de ce passage alors que nous tendons vers la fin c'est que la parole pierre dit ici au mari de vivre chacun avec leur femme vivez avec votre femme Pas avec d'autres femmes Restez dans, sous le même toit avec votre femme. Que votre maison ne soit pas un lieu de transit. Vous, vous êtes tellement occupé, la vous, la occuper, la vous, la vous venez, vous, vous changez, vous sortez, vous êtes tout le temps absent de la maison. Vous devez vivre. De vous trouver du plaisir à, être à, 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 chose, à la maison. Et Pierre dit encore, Ta pierre, vivez et faites preuve de discernement. Et surtout de connaissance. Parce que la femme est assez complexe. Et nous et allons y revenir les 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 prochaines lors des prochaines émissions. Mais une femme, elle est assez complexe, la para, assez, assez délicate, assez sensible. Et vous devez donc, en tant qu'homme, avoir une connaissance générale sur qui est la femme. D'abord, qui est la femme de façon générale. Mais vous devez aussi savoir quels sont ses besoins spirituellement, émotionnellement, physiquement, vous devez être cultivé sur ce que c'est qu'une femme. Et en plus, votre propre femme, vous devez la connaître. Vivez avec elle avec discernement. Faites preuve de discernement et de connaissance. Donc, connaissez qui est la femme de façon générale. Mais... Où sachez qui est votre femme. Connaissez-vous ses réactions? Connaissez qui elle est, comment et quelles sont ses potentialités? Et sachez aussi qu'une femme, c'est souvent des changements perpétuels par rapport même à sa vie. Il y a un changement sur le plan hormonal au niveau de la femme. Quand nous la prenons depuis son jeune âge, dans son évolution, Jusqu'à ce qu'elle soit très âgée. Continuellement, il y a des changements qui s'opèrent dans la vie. À l'adolescence, il y a des changements par notables qui se passent dans la vie d'une femme. À la puberté, il y a des changements. Par Quand elle est enceinte, elle doit s'accommoder avec l'être nouveau qui est en elle et qui doit vivre avec elle pendant neuf mois. Et pendant tous ces neuf mois, un homme doit comprendre sa femme. Un homme doit vivre avec elle Avec discernement Et avec avec connaissance Parce que ce qu'elle aimait avant Pendant la grossesse Elle va dire à son mari qu'elle n'aime pas Là où elle aimait partir Elle va dire qu'elle ne veut même pas voir cet endroit Ce qu'elle n'aimait pas manger Elle va commencer à dire que c'est ce qu'elle veut manger un jour, une femme qui était enceinte, qui semblait toute simple pour son mari, pendant sa grossesse, les premiers mois, elle dit à son mari Aujourd'hui, c'est un pigeon grillé que je veux. Son, son mari va, il fait tout, 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 il amène un pigeon grillé. Elle ouvre le pig... le... 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 le sachet elle fouille, elle regarde. Elle ferme et elle dit « Bon, je n'ai pas trouvé ce que je veux. » Son mari dit « Mais qu'est-ce que tu veux ?» Elle dit que c'était une patte de pigeon. Vous <laughs> <laughs> voyez Donc un homme qui ne sait pas, <laughs> comment être patient <laughs> Dans ces situations-là, comment, comment ça va se passer il y a pourra, Quand une femme il y a va être de encore à l'âge de la pré-monopause, c'est de une autre situation. Il y a autre, yes. Et quand elle va être plus âgée, ah, elle peut même devenir en le de Les hommes changent, mais surtout quand ils viennent à un certain âge, ils deviennent aussi en kikineurs. Donc, C'est dire qu'il y a de discernement à avoir, la, la connaissance, de connaissance de à avoir, pour, pour pouvoir mieux comprendre cette femme-là et savoir comment mieux vivre avec elle. La et la parole de Dieu nous dit, la au verset 7-là, que l'homme fasse attention et qu'il soit en accord avec sa femme pour ne pas faire entrave à leur propre prière. Et, et c'est pourquoi plusieurs couples vivent des situations où ils sont frustrés, leurs prières ne sont pas exaucées nous allons nous arrêter là et nous prions que la grâce de Dieu soit manifestée pour les femmes. Que Dieu, dans sa grâce, donne à toute femme qui a écouté cette émission un esprit doux et paisible, une beauté intérieure. Que le Saint-Esprit aiguise nos sens afin que nous puissions mettre plus d'accent sur la parure intérieure qui plaît au cœur de Dieu. Et que à chaque homme, que Dieu vous qualifie, qu'il vous donne le discernement, qu'il vous donne la connaissance pour mieux comprendre les femmes. avec avec qui vous vivez et que votre accord soit un accord parfait dans l'amour, que votre entente ne de souffre d'aucune de, haine de, 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 de et que vous puissiez dans votre accord remporter des victoires certaines dans vos familles respectives. Sachez que le Dieu, dans sa grâce, vous fera du bien. Sa grâce surnaturelle va être manifestée dans vos familles respectives. Nous vous aimons et nous prions que votre lumière luise dans vos familles et que tout cela soit pour la gloire de notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. amen.